Bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus à votre émission Le Retour à la Parole. C'est bien sur votre chaîne de télévision Réveil TV. Et nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qui nous permet d'être ensemble. Comme on le sait tous, nous sommes à la veille de l'événement le plus attendu dans le monde. Et nous voulons profiter de l'occasion que le Seigneur nous permet pour encore nous encourager, pour davantage nous aiguiser et nous préparer au retour du Mashiach. Donc sans plus tarder, nous allons recommander le temps au Seigneur. Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Enseigne-nous par ton esprit. Nous ne sommes rien, Père. Nous voulons chaque jour faire nos efforts pour te plaire, pour t'honorer. Garde nos cœurs fortement attachés à toi. Merci pour toutes les personnes qui nous reçoivent chez elles. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole au nom de Yeshua. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, ça fait à peu près trois vendredis, nous avons commencé avec une thématique. Donc, nous avions parlé des trois horloges spirituelles, des trois horloges prophétiques, autant pour moi. Donc, on avait parlé des nations, on a parlé de l'Église, et on a parlé vendredi dernier d'Israël. Et on a pu voir que ces trois horloges prophétiques sont des signaux que le Seigneur nous a laissés pour nous permettre de mieux nous préparer à son retour, à son avènement. Et aujourd'hui, nous allons parler, Seigneur, poursuivre sur la thématique de la fin des temps. Et nous allons voir des éléments nouveaux par la grâce du Seigneur. Donc sans plus tarder, on va reprendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Donc on est dans Matthieu chapitre 24. On va lire à nouveau à partir du premier verset. Donc voilà, nous traitons de la thématique relative, n'est-ce pas, à la fin des temps. C'est un enseignement vaste qui regroupe plusieurs sous-thèmes. Donc Matthieu chapitre 24 à partir du premier verset. Et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis. Il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. Donc on va descendre au verset 3. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Donc ici, on va s'arrêter là. Le verset 3 est le verset qui nous intéresse parce que c'est justement la réponse à ces questions qui nous permettent comme ça de développer l'enseignement sur la fin des temps. Donc les disciples posent deux questions au Seigneur. Dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Donc la question est relative à la destruction du temple qui a eu lieu à l'an 70 avec Titus. Et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Donc on peut enlever le passage sur l'écran. Donc tout au long des différentes sessions d'enseignement qu'on aura, on verra, n'est-ce pas, on a déjà parlé des signes, mais on va parler maintenant des événements, donc relatifs à l'achèvement de l'âge et à l'avènement du Seigneur. Et comme on l'avait dit précédemment, l'avènement du Seigneur nous parle de son retour physique, de son retour dans la gloire, et on le verra durant les différentes sessions d'enseignement. Mais on nous parle aussi ici de l'achèvement de l'âge. Et on a vu que l'achèvement de l'âge fait allusion à la fin des temps des nations. L'achèvement de l'âge fait allusion à la fin du monde en tant que système, mais fait aussi allusion à la fin de l'âge du péché. Parce que vous savez qu'actuellement nous sommes dans l'âge du péché. C'est le plus grand de tous les âges qui commence depuis la chute jusqu'au retour physique du Seigneur. Nous sommes dans l'âge du péché. Donc ici, il y a des questions qui sont posées au Seigneur. Quel sera le signe de ton avènement, donc de ton retour physique, et quel sera le signe de l'achèvement de l'âge? Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, après avoir vu les trois horloges prophétiques, on va démarrer avec 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du premier verset.
Donc on est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Or je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Verset 3. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas ou à Képhas, et ensuite aux 12. Donc ici, dans Jean chapitre 15, à partir du premier verset, verset 5, Paul pose les jalons de l'évangile que nous prêchons. Il dit que l'évangile que je vous ai annoncé, c'est que 1. Machia est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc au verset 3. Car avant toute chose, je vous ai annoncé ce que j'avais aussi reçu. Que Machia est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. On peut enlever le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Mais on va beaucoup travailler avec Jean chapitre, avec 1 Corinthiens 15. Donc on reviendra tout à l'heure. Mais si Paul parle de l'évangile que lui a prêché et qu'il a reçu, il dit que cet évangile est basé sur la mort et sur la résurrection du Seigneur. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici d'entrée de jeu? C'est que l'évangile véritable est basé, est fondé sur la mort et la résurrection du Seigneur. Alors l'évangile de la résurrection va à l'encontre de l'évangile terrestre qui nous est prêché dans les différentes assemblées. L'évangile de la résurrection va à l'encontre de l'évangile de la prospérité. L'évangile de la résurrection va à l'encontre d'un évangile qui nous encourage à vivre constamment dans le péché. Pourquoi? Parce que cet évangile nous apprend que la vie sur la terre n'est pas la véritable vie. Que la véritable vie est celle que nous allons hériter lorsque le Seigneur Yeshua reviendra. Donc là, c'est la base de l'évangile que nous prêchons. Un évangile basé sur la mort et sur la résurrection du Seigneur Yeshua. On revient dans Jean chapitre 15, on va lire à partir du verset 12 cette fois-ci. Donc aujourd'hui, on va entamer avec la résurrection des morts, sinon avec l'enlèvement de l'Église. Donc on va progresser au fur et à mesure. Jean chapitre 15, on lira à partir du verset 12. 1 Corinthiens, autant pour moi, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Désolé. Donc on est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. On lira à partir du verset 12. Donc on est sur la résurrection des morts, sur l'enlèvement de l'Église. Donc au verset 12, Paul dit: Or si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Machia aussi n'est pas ressuscité. Parce que justement dans notre ère et dans notre génération, on va regarder le passage sur l'écran, il y a des prédicateurs qui ne croient pas en la résurrection des morts. Il y a beaucoup de religions qui nous apprennent que la résurrection n'existe pas. Donc ici, Paul dit quelque chose, que si le Machia n'est pas ressuscité des morts, si le Machia est donc moins resté des morts, pourquoi quelques-uns disent que la résurrection n'existe pas? Et le verset 14 dit, et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Et même, verset 15, et même nous sommes des faux témoins de la part d'Élohim, car nous avons rendu témoignage à l'égard d'Élohim qu'il a ressuscité le Machia, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Si en effet les morts ne ressuscitent pas. Verset 16. Mais si les morts ne ressuscitent pas, Machia non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Machia sont perdus. Verset 19. Si nous n'avons d'espérance en Machia que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. On peut enlever le passage sur l'écran. Donc ici,
Paul met en évidence la véracité de l'évangile de la résurrection des morts. Il dit que si nous espérons Machia, si nous espérons en Yeshua Jésus, que pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que toi, chrétien, si tu t'es converti, tu espères en Yeshua que pour les biens de ce monde, pour le mariage, pour les enfants, pour les biens de ce monde, Paul dit que tu es le plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'on accepte Yeshua pour prendre part à la résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi Paul disait, si on prêche que Yeshua n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Pourquoi? Justement parce que la puissance de l'évangile, la transformation de nos vies, on l'obtient par la mort de Yeshua à la croix. Donc Paul ici dit, mais attention, on dit qu'il n'est pas ressuscité, c'est qu'on est encore dans nos péchés alors. Et c'est que notre foi est vaine et que notre évangile est vain. Donc nous voulons présenter ce soir l'évangile de la résurrection. Qui est l'évangile véritable, authentique, qui nous rappelle que nous sommes sur terre pour un temps, que la véritable destinée de tous les enfants, de tous les croyants, de tous les chrétiens, c'est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel, c'est l'éternité avec le Seigneur. Donc ici, Paul va à l'encontre de ces prédicateurs qui prêchent la terre, qui prêchent le ventre, qui prêchent les maisons, les biens de ce monde. Il dit, si nous espérons Yeshua, que pour cette vie seulement, sur cette vie, nous sommes les plus malheureux. On va le remettre là, s'il vous plaît, le verset 19. Parce que la résurrection est une espérance vivante. Donc ici, il dit, si nous n'avons d'espérance en Machia, que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Parce que justement, accepter Yeshua, que pour la poussière, la fumée, la vanité de la terre, n'a pas de sens. Nous l'avons accepté ou nous l'acceptons pour passer l'éternité avec lui. Et la résurrection nous rappelle quoi? Que tous les disciples qui sont morts dans la foi reviendront à la vie. Et ça, c'est magnifique. Cet évangile nous apprend que pour nous les chrétiens, notre mort n'est pas comme la mort des inconvertis. Parce que nous avons une espérance vivante, celle de l'enlèvement, celle de la résurrection d'entre les morts. Et Paul a rappelé au début du chapitre 15 de Corinthiens, n'est-ce pas, que c'est l'évangile qu'il a reçu et c'est l'évangile qu'il a prêché. Et il disait aux chrétiens de Corinthe que si vous détournez cet évangile, vous êtes à côté de la plaque. Malheureusement aujourd'hui, il y a tellement d'évangiles qui sont prêchés. L'évangile de venir à Yeshua pour le mariage, de venir à Yeshua parce que tu as tellement souffert dans le monde que tu n'as plus d'autre option, on ne vient pas à Yeshua pour ça. On vient dans le Seigneur Yeshua pour le salut de nos âmes, pour l'espérance de la vie éternelle. Donc ici en préambule, Paul a été clair, il nous a présenté la résurrection. Il nous apprend que la résurrection d'entre les morts est l'espérance même du chrétien. Ton espérance, mon espérance, ce n'est pas le ministère. Notre espérance, ce n'est pas, n'est-ce pas, de faire de toutes les nations des disciples. Notre espérance n'est pas d'impacter le monde, de devenir riche, milliardaire, millionnaire. Notre espérance n'est pas de faire les nations. Notre espérance est dans la résurrection des morts. Parce que Paul était clair, si on espère en Machia que pour cette vie, nous sommes les plus misérables. C'est-à-dire que même l'inconverti a plus de valeur que toi, si tu espères Yeshua, que pour cette vie. Parce que tu n'es pas conscient de ce qui nous attend au ciel. C'est pourquoi ces derniers temps, le sang met même beaucoup à cœur de parler des choses à venir. Parce qu'on est fatigué, n'est-ce pas, de la vie présente. On est fatigué de vivre comme si tout s'arrêtait sur cette terre. Notre espérance, c'est la Jérusalem céleste. Que tu te maries ou pas, que tu aies des enfants ou pas, n'est-ce pas? Que tu impactes ce monde ou pas, ton espérance, mon espérance, c'est la résurrection d'entre les morts. Mais c'est magnifique. On le verra. On poursuit à partir du verset 35. 1 Corinthiens chapitre 15, on est à partir du verset 35. Donc on pose les jalons de notre enseignement du jour. L'enlèvement de l'église est réel.
Il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Parce que justement, il y a tellement d'incrédules qui se disent que la résurrection n'existe pas. Donc Paul ici dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? On le verra. Verset 36, il dit, insensé. Ce que tu sèmes n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt. Et pour ceux qui plantent, ils le savent très bien. Qu'on plante une graine, mais cette graine peut donner des légumes. On plante une graine, elle peut donner, n'est-ce pas, de la tomate, elle peut donner de la patate, elle peut donner, la graine peut donner un arbre géant. Donc il dit, insensé, ce que tu sèmes n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt. Donc il nous apprend que pour que la résurrection ait lieu, il faut qu'on connaisse d'abord la mort. Donc la résurrection n'a de sens que si on a connu la mort. C'est pourquoi on le verra, que l'enlèvement, ces deux événements, fait les morts et fait les vivants, on le verra durant l'enseignement. Il dit, verset 37, et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Nous apprend que ce qu'on sème, ce n'est pas ce qu'on récolte, dans le sens où tu sèmes une graine, tu as après un fruit, tu as après un légume ou tu as après un arbre. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est la puissance de la résurrection. On le verra. Que tu peux être infirme. Tu es chrétien, tu es infirme. Comme cet évangéliste qui n'a que son temps. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu as une maladie corporelle qui te dérange, une maladie incurable. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu es aveugle. Oh frère, lors de la résurrection, tu n'auras pas ce même corps. C'est puissant, cet évangile. L'évangile de la résurrection. On peut réafficher le passage, s'il vous plaît? Parce que là, la parole du Seigneur est en train de réveiller mon âme, de booster mon esprit. Verset 38, il dit, « Mais Elohim lui donne un corps comme il veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » À chaque semence, il dit, il lui donne un corps qui est propre. Verset 39, « Toute chair n'est pas de la même chair. Mais autre, en effet, est la chair des humains, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. » Ça c'est clair. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre, en effet, est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Donc ici, c'est puissant parce qu'on apprend qu'il existe deux types de corps. Le corps terrestre que nous avons aujourd'hui, qui peut être soumis à la faim, à la sueur, qui peut être soumis à la maladie, qui peut être soumis aux épreuves, aux difficultés, mais il y a aussi des corps célestes, et on le verra. Et pour obtenir ce corps céleste, il faudra qu'au préalable, on expérimente la résurrection, ou le changement, la transformation de nos corps. Verset 41, pour moi. Autre est l'éclat du soleil et autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Car une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Verset 42. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Donc on apprend que lors de la résurrection, on aura tous des corps glorieux, mais notre éclat ne sera pas le même. On aura tous des corps incorruptibles. On aura tous des corps changés, transformés. Mais nos éclats ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce que l'éclat dépendra du service que tu auras rendu, de la qualité du service que tu auras rendu. C'est pourquoi les chrétiens qui se convertissent, qui ne veulent pas travailler pour le Seigneur, mais ils n'auront pas de récompense. Donc on apprend ici que les étoiles diffèrent l'une des autres en éclat. Et ce sera la même chose lors de la résurrection. On est semé dans la corruption, on reçoit dans l'incorruptibilité. C'est puissant ici. On est semé corps corruptible, soumis à la maladie et on reçoit corps incorruptible. Ça veut dire quoi? Que lors de la résurrection des morts, frère, nos corps seront incorruptibles. On ne pourra plus être corrompu par le péché, corrompu par la mort, par la maladie, par toutes les difficultés auxquelles nous sommes soumises. Et c'est puissant. C'est pourquoi nous devons persévérer. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. Parce que ce sera glorieux. Il en sera ainsi de même à la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, oui. On est né dans la corruption. Ici, s'aimer, c'est l'image de la naissance physique. On est né pécheur. On est né, nos corps étaient soumis à la poussière, à la fumée, à la vanité. Mais il dit que lors de la résurrection, oh alléluia, nous sommes semés dans l'incorruptibilité. Il n'y aura plus d'aveugles.
n'y aura plus de paralytiques, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de stériles. Parce que la puissance de l'incorruptibilité aura saisi nos vies. C'est pourquoi, chrétien, on doit se sanctifier. On doit se préparer, on doit laver nos robes. Parce que ce n'est pas un jeu. L'enlèvement est réel. Et on le fera. Ça se passe en un clin d'œil au son de la trompette. Que le Seigneur nous aide à nous préparer, à nous sanctifier. Verset 43. On est semé dans le déshonneur. Et on ressuscite dans la gloire. Oui, frère. Même si tu n'as pas fait l'école, même si tu es pauvre, même si tu n'as pas d'enfant, même si sur la terre on passe le temps à se moquer de toi, on vient de se mettre dans le déshonneur. Parce que justement le péché même nous déshonneur, est un déshonneur autant pour moi. Mais on reçoit dans la gloire. C'est-à-dire que lors de l'avènement du Seigneur, lors de la résurrection de mort, lors de l'enlèvement de l'Église, nos corps seront glorieux. Et Jean dans son épître a été clair. Tel il sera, tel nous serons semblables au Seigneur Yeshua. Verset 44. Non, verset 43 d'abord. On est semé dans la faiblesse et on ressuscite dans la force. Ça, c'est important qu'on le comprenne parce qu'on parle souvent de la résurrection, la résurrection, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Paul nous apprend que nos corps sont semés dans la faiblesse. Mais quelle faiblesse? Mais la faiblesse liée au péché. La faiblesse liée à notre caractère. La faiblesse liée à nos comportements. On peut être chrétien depuis des années, mais parfois, il nous arrive de brancher. On se comporte mal. On a des mauvaises réactions parce qu'on est faible. Et ça ne peut pas changer. Tant qu'on sera dans ce corps, peu importe ton degré de consécration, de prière, de méditation, nos corps ont été semés faibles. On est soumis à la poussière, à la fumée, à la vanité. Bien que chrétien, on va aux toilettes. Bien que chrétien, n'est-ce pas, qu'on est fatigué, on doit dormir. Bien que chrétien, qu'on a faim, on doit mourir, sinon on va mourir. Parce que nos corps sont semés dans la faiblesse. Mais c'est ça qui nous importe, c'est la résurrection. Mais quand il ressuscite dans la force, dans la puissance, dans l'excellence, dans la gloire. Verset 44. On est semé corps animal. Mais on ressuscite corps spirituel. Le corps animal fait, nous parle de la bestialité. Nous parle de l'animalité de l'homme. L'homme, n'est-ce pas, qui agit comme un animal, qui a des réactions d'animaux, qui est brutal, qui est bestial autant pour moi, qui est dans la bestialité. On apprend aussi qu'on est semé corps animal. Parce que nos corps là, c'est l'animalité. Nous sommes des hommes animaux, bien que chrétiens. Bien que disciples du Seigneur, la nature animale est bien ancrée en nous. Voici pourquoi, parfois tu peux être là, tu as des mauvaises pensées, même si tu ne les acceptes toujours pas. C'est pourquoi tu peux être là, tu sens un fort désir de péché, parce qu'on est semé animal. Et par l'Esprit du Seigneur, on refuse de pratiquer le péché. Mais il dit que nos corps sont semés animal, ils reçoivent corps spirituel. On sera transparent, corps spirituel. On n'aura plus de chair physique. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel pour finir sur le passage. Donc on apprend que la résurrection est un événement terrible. C'est pourquoi toi qui es chrétien, qui te bats pour te sanctifier, ne baisse pas les bras. C'est pourquoi moi-même qui suis en train de parler aujourd'hui, je me bats, malgré mes faiblesses et mes manquements, pour ne pas faire marche arrière. Parce qu'on a cette espérance-là, la résurrection d'entre les morts. C'est puissant. Plus de désir sexuel. Parce qu'on sera comme le Machia. Plus de désir de vouloir avoir des puissants ministères. Parce que c'est que de la fumée. On sera au ciel dans l'adoration. Et on a une espérance vivante. Celle de la résurrection d'entre les morts. Donc ça c'est le préambule. Donc Paul nous explique les différentes manifestations de la résurrection des morts qu'on va vivre. Ça là, la résurrection là, c'est pas pour les autres, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour l'Église. Et c'est un privilège, et c'est une grâce. On est dans 1 Corinthiens 15 toujours. On va lire du verset 20 à 25, je ne sais pas si on l'a déjà lu. On a lu 20 à 25. Oui.
Allez, on est dans Corinthiens 15, on va lire à partir du verset 45, autant pour moi. D'accord. Donc on va prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20 à 25. On va lire verset 20 à 25. Mais maintenant, ma chair est restée d'entre les morts. Il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Donc on apprend ici que Machia, ayant connu la résurrection, il est les prémices, il est le premier fruit de ceux qui dorment. Donc qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre ici? Que parce que Machia a connu la mort et la résurrection, nous aussi, on connaîtra la mort et on connaîtra la résurrection. Donc il est le prémices de tous ceux qui dorment ou de ceux qui sont décédés. Vous voyez même la précision que Paul donne. Il nous apprend que les chrétiens ne meurent pas, mais que les chrétiens dorment. Alléluia, mais fais encourageant. Verset 21. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Donc comme vous le savez, n'est-ce pas, le péché, la désobéissance d'Adam et Ève nous ont conduits dans la mort, à la mort, et Yeshua, par sa vie d'obéissance, nous a conduits à la résurrection des morts. Verset 22. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Machia. Donc on apprend ici que Adam, par la naissance naturelle, nous communique la mort, nous communique la nature du péché. Mais Machia, par sa vie d'obéissance, par sa mort à la croix, nous communique la vie éternelle. Verset 23. Mais chacun en son propre rang, l'offrande du premier fruit, le Machia, ensuite ceux qui appartiennent au Machia lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il aura remis le royaume à Elohim le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. Ce passage, on le verra prochainement quand on parlera du royaume. Donc ici, Paul nous rassure que Machia ayant connu la résurrection, nous aussi on connaîtra la résurrection. On peut enlever le passage sur l'écran. On va basculer du côté de 1 Corinthiens 15. Toujours à partir du verset 35. Comme je disais, tantôt, on va beaucoup lire. On va beaucoup réfléchir parce que c'est un passage plein de vie. À partir du verset 35, on va d'autres réalités spirituelles. Donc 1 Corinthiens 15, à partir du verset 35. Ah, ça par contre, on l'a déjà lu. Donc on va descendre un peu. On va lire à partir du verset 45. Ça, on l'a lu. À partir du verset 45. Comme aussi il est écrit, le premier être humain Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam en esprit donne la vie. Donc le dernier Adam n'est autre que Yeshua. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite ce qui est spirituel. Donc on apprend que la vie animale, la vie physique, est certes la première vie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle est limitée. N'est-ce pas? Non, on dit que mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel nous plongera dans l'éternité. Alléluia. Verset 47. Le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume, du royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. On peut enlever le passage sur l'écran. Le verset 50, ici, Paul dit, or, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume du Seigneur, ne peuvent hériter l'incorruptibilité. Justement parce que nos corps physiques ont été soumis à la vanité. Voici pourquoi nos corps seront changés. C'est pourquoi, en fait, la chair, on ne peut pas la crucifier. Dans le sens où on va tellement la crucifier qu'elle ne va plus réagir. Non. Notre chair,
Elle ne peut pas hériter le ciel parce qu'elle était soumise à la vanité. C'est pourquoi le Seigneur doit revenir, doit changer nos corps. Parce que vous voyez, on est converti, on est chrétien, on marche par l'esprit. Mais souvent la chair nous cause beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est pourquoi il a dit la chair et le sang. Donc la chair, la nature animale, le sang, la nature humaine ne peuvent hériter le royaume. Donc notre corps physique ne peut hériter le royaume. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on connaisse la résurrection, la transformation. En d'autres termes, l'enlèvement, la montée. Parce que l'enlèvement nous parle de l'élévation, de la montée. Alléluia. On va basculer rapidement dans Actes 1, parce que le Saint-Esprit vient de me donner Actes chapitre 1. On va voir que le premier, n'est-ce pas, avoir vécu la montée, c'est bien sur lui-même le Seigneur Yeshua. On est dans Actes chapitre 1, à partir du verset 10. Non, à partir du verset 8, c'est mieux. À partir du verset 8. Acte chapitre 1, on va lire à partir du verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit ces choses, il fut élevé. Donc il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Voici l'image de l'enlèvement. Donc Yeshua était là, il parlait avec lui, il a dit que dans peu de temps, vous recevez une puissance du Saint-Esprit. D'abord, on dit qu'il fut élevé. Il fut élevé au temple, il fut enlevé. Et ils avaient les yeux, les regards fixés sur lui. Et une nuée vient le prit et l'emporta. Et le verset 10 dit quoi? Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs, deux anges, se présentant devant eux et leur dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Fait Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est ça l'image de l'enlèvement. Parce qu'on va dire le mot enlèvement n'existe pas dans la Bible, il est bien écrit. On peut enlever le passage s'il vous plaît les frères? Donc ici on apprend que Yeshua après sa résurrection était là. N'est-ce pas, non? C'est l'image de l'enlèvement. Il est d'abord ressuscité le troisième jour. Il a vécu 40 jours à les disciples. Et puis après, il a été enlevé. Et on va le voir qu'on le lira. Que les morts en Christ vont d'abord connaître la résurrection avant l'enlèvement. Donc, de la même manière que lui, il était enlevé, Yeshua, on apprend que celui les prémices. Donc, son épouse, l'église, vivra la même chose. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et j'aime le dire, j'ai un frère que j'ai beaucoup aimé, qui est décédé, qui est allé au ciel. Et je crois qu'on le reverra par la grâce du Seigneur. Et quand je pense à ce frère, ça m'encourage à persévérer parce que j'ai envie de revoir ce frère qui m'a beaucoup touché. Donc pour toi qui médites la parole, lors de ces événements, tu pourras voir Paul, voir comment il était. Bien sûr, il sera changé. Tu pourras voir Pierre. Tu pourras voir Jacques et Jean, on pourra voir les disciples. On pourra voir, n'est-ce pas, tous ces hommes et ces femmes qu'on lit aujourd'hui, dont la vie nous époustoufle. On pourra les voir. Mais surtout, on verra celui en qui on espère, le Yeshua, l'homme de Galilée. Parce que c'est vrai que le Seigneur peut nous faire des clins d'œil, où on peut apercevoir quelques parties du Seigneur en vision ou en songe, mais ce n'est pas la réalité. Au ciel, on le verra tel qu'il est. On pourra le toucher. Aujourd'hui, c'est difficile de le toucher lorsqu'il n'a pas en esprit. C'est difficile. Et comme vous le savez, on ne peut pas le voir pleinement maintenant. Parce que nos corps sont tellement soumis au péché que s'il nous apparaît pleinement, on va être consumé. Voici pourquoi, justement, il ne se révèle pas à nous pleinement. Parce que notre nature animale ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Lui, il est déjà incorruptible. Parce qu'il a été changé. C'est pourquoi, persévérant, on le verra, Yeshua, l'agneau immolé. On va repartir dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 15, on va lire à partir du verset 50 cette fois-ci. Donc là, on va un peu voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Si les frères peuvent aussi nous afficher le temps. Waouh. On est dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Le temps est court. Mais le Seigneur est bon.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, en effet, mais tous nous serons transformés. Donc ici, dans l'enlèvement, il faut retenir la première, le premier événement. C'est que tous les chrétiens ne connaîtront pas la mort physique. Paul le dit, si nous ne dormirons pas tous, tous nous ne serons, nous ne connaîtrons pas la mort, mais tous nous serons transformés, nous serons changés. Donc on apprend ici que l'un des événements aussi qui précède seulement l'enlèvement ou lors de l'enlèvement, c'est la transformation des saints. Et comment cela va-t-il se passer? Ou comment ça, ce changement va-t-il s'opérer? Verset 52. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, ça me marque. Chez vous à la maison, vous pouvez faire le clin d'œil. Le clin d'œil, c'est même pas une seconde. Le clin d'œil, c'est tic-tac. Même tic-tac là, c'est plus rapide que le clin d'œil. On dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La dernière trompette nous parle de la voix du Seigneur Yeshua, qui dira à son épouse, c'est l'heure de partir à la maison. C'est l'heure de rentrer. Et tous les enfants de Yeshua du monde entier, ça me marque. Souvent, je vous assure, mon intelligence est trop faible pour comprendre cela. Imaginez-vous tous les chrétiens du monde entier. Il y a quand même des millions et des millions de chrétiens dans le monde entier. Mais on dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Quand la trompette sonnera, qu'est-ce qui se passe premièrement? Et les morts ressuscitent incorruptibles. Donc l'enlèvement nous parle de quoi? Nous parle d'abord, un, de la résurrection des morts. Donc des morts en Yeshua. Donc cette résurrection concerne tous les chrétiens morts à partir de Yeshua ou après la mort de Yeshua, commençons par le brigand à la croix. Donc on dit, quand la trompette sonnera, les morts ressusciteront. Donc le premier qui ressuscite là, c'est d'abord le brigand à la croix. Et le dernier ressuscité, ce sera le dernier chrétien qui sera mort avant l'enlèvement. On ne sait pas qui c'est. Donc on dit que les morts ressuscitent d'abord. Parce que justement cette résurrection ne concerne pas les croyants de l'ancienne alliance. On le verra prochainement. Donc on a un clin d'œil à la dernière trompette. Quand la trompette sonnera, les morts ressuscitent incorruptibles. Donc du brigand à la croix, au dernier converti qui sera mort, qui dormira. Tous les chrétiens vont rester en un instant. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, partout les chrétiens du monde entier qui sont décédés à cause de leur foi, de leur attachement au Seigneur. Tels ces héros de la foi dont on parle Hébreux 11, mais pas eux bien sûr. Mais les héros de la foi, qui sont morts dans la foi, ils connaîtront la première phase de la première résurrection. Et nous serons transformés. Donc je vais apporter, on peut enlever le passage pour un petit instant. Alors, on parle de la résurrection. Mais on doit retenir qu'il existe deux types de résurrection. Nous avons la première résurrection qui se déroule en deux phases. Et vous avez après la deuxième résurrection, qui est la résurrection des impies. Alors là, on est en train de voir la première phase de la première résurrection qui nous parle de la résurrection des croyants, donc des chrétiens morts, des disciples de l'église, des chrétiens morts sous Yeshua et de tous ceux qui seront changés et transformés. Voilà, donc je tiens parce que tout le monde ne comprend pas forcément facilement de la même manière. Donc, on parle de la première phase de la première résurrection. Dans la première phase de la première résurrection, on parle de la résurrection de tous les croyants morts à partir du brigand à la croix, tous ceux qui sont morts après Yeshua, n'est-ce pas, jusqu'à nos jours, ceux qui font partie de l'Église. Et de ceux qui seront vivants lorsque le Seigneur reviendra, n'est-ce pas, et qui seront transformés. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Première phase de la première résurrection. J'insiste, c'est la première phase de la première résurrection. Donc c'est l'enlèvement de l'église, mais c'est aussi d'abord la résurrection de tous les chrétiens morts à partir du brigand à la croix jusqu'à ceux qui sont morts de nos jours, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Donc on peut répartir le passage s'il vous plaît, de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. On peut reprendre le passage de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Donc on est au verset 52,
Donc il dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Verset 53. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Alléluia. Et on apprend que lorsque l'enlèvement, on peut enlever le passage, on pourra le remettre. On apprend que lorsque l'enlèvement aura lieu, on sera considéré comme étant immortel. C'est pas Quentin MacLeod. Là, c'était un film mensonger. On dit que on sera immortel. Pourquoi? On ne connaîtra plus la mort. On vivra pour l'éternité avec le Seigneur. Mais cet événement, pourquoi il est aussi marquant? Cet événement marquant, pourquoi? Parce que imaginez-vous, tous ces chrétiens qui sont pilotes d'avion, tous ces chrétiens qui sont pilotes de bateau, n'est-ce pas, qui sont chauffeurs de véhicules, tous ces pilotes, n'est-ce pas, qui sont médecins, qui opèrent, qui en un instant seront transformés. Vous pouvez voir la catastrophe que le monde connaîtra ce jour. Imaginez-vous, vous êtes dans un bus et au volant, c'est un chrétien qui parle enlèvement, mais le bus va vivre un accident. Donc imaginez-vous tous ces conducteurs. Ce sera un jour de détresse pour les nations. Le monde connaîtra un chaos, une agitation totale. Imaginez-vous ce chrétien, n'est-ce pas, pilote d'avion, comme je disais tantôt, qui est au volant à bord de son avion, qui part à l'enlèvement. Mais imaginez-vous ce que l'avion connaîtra, un crash. Donc l'enlèvement, c'est la montée. L'enlèvement, c'est l'élévation dans le ciel avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, il parle de qui réussit aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou plutôt qu'il élève les humbles. Souvent, on a cru que l'élévation, il s'agit, c'est l'élévation par rapport au bien de la terre, mais ce n'est pas vrai. Quand le Seigneur dit qu'il élève les humbles, c'est par rapport à l'enlèvement. Donc les humbles iront à l'enlèvement. Ceux qui partiront à l'enlèvement, c'est les bons qui ont renoncé au péché. Ceux qui partiront à l'enlèvement, c'est les bons qui ont accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur personnel. Qui ont dit non à l'évangile de la prospérité, à l'évangile de la terre, qui est basé sur la fumée, la poussière, sur la fumée. On le verra, que ceux qui partiront, c'est les personnes qui vivent dans la consécration. Parce que regardez, on a l'image de l'aimant, l'aimant autant pour moi, l'aimant. L'aimant ne peut attirer qu'un objet de la même nature que lui. L'aimant ne peut pas, n'est-ce pas, attirer, n'est-ce pas moi, du contreplaqué. C'est l'image de l'enlèvement. Le Seigneur est saint, le Seigneur est pur. Le Seigneur, n'est-ce pas, est un Elohim très très saint. Donc n'iront, ne seront aspirés, attirés, n'est-ce pas, par lui, que des bons qui se sanctifient. La sanctification, ce n'est pas celle qu'on croit toujours. Parce qu'on n'a pas de petits copains, petites copines, qu'on se sanctifie. Non. La sanctification, la véritable notion, c'est atteindre le standard que le Seigneur a préparé pour nous. Parce qu'il a fait exigence à lui. Mais souvent on se dit que la sanctification, c'est parce qu'on a arrêté avec certains péchés. Non, la sanctification véritable, c'est répondre aux exigences du Seigneur, de pureté, de consécration. Donc à cause des petites choses qu'on néglige, l'on peut rester. Le Seigneur te réveille chaque nuit pour prier. Toi, tu dors. Tu te dis que c'est rien. Mais tu es dans une forme de désobéissance. Tu peux rester à cause de la désobéissance. Le Seigneur te parle tous les jours. De pardonner ton prochain. Tu es toujours dans la haine, dans la méchanceté. Mais si le Seigneur vient, mais tu resteras. Parce que ceux qui connaîtront l'élévation, l'enlèvement, la montée, c'est dépendant de la nature du Seigneur. Nature de pureté, nature d'obéissance, nature de vérité. Le Seigneur était droit, il était correct, il était pur. Et aujourd'hui, par son esprit, c'est possible. Donc ici on parle de la première phase, donc on parle de l'enlèvement de l'église. On dit enlèvement de l'église. C'est tous ceux qui font partie de l'église qui vivront l'enlèvement. Alléluia. Donc on va revenir sur le passage s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15. Or lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la vie.
La mort a été engloutie dans la victoire autant pour moi. Merci. Donc, qu'est-ce que Paul ici nous fait comprendre? On peut enlever le passage. Paul ici nous fait comprendre que même la mort qui tétanise les hommes, la mort sera engloutie dans la vie. Que la mort n'aura plus de puissance. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Donc, lors de l'enlèvement, même la mort va se faire petite. Parce que je vous assure, entre la construction et la destruction, qu'est-ce qui est plus puissant? C'est la destruction. Imaginez-vous une maison que vous prenez 20 ans à construire. Mais en un jour, à cause d'un tsunami, un tourbillon, elle peut se détruire complètement. Donc la puissance de la résurrection est au-dessus de la puissance de la mort. C'est ça qu'on doit retenir. La résurrection est au-dessus de la mort. C'est facile de tuer, mais c'est difficile de ramener à la vie ce qui est déjà mort. Mais ça, c'est la puissance qu'a le Créateur Yeshua. C'est pourquoi nous voulons l'aimer. C'est pourquoi nous voulons craindre son nom. On est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Donc on parle de l'enlèvement, de la montée. Nous irons au son de la trompette. On l'a vu, au son de la trompette. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Au son de la trompette, en un clin d'œil. Imaginons-nous le clin d'œil. Nous partirons en un clin d'œil. C'est puissant. C'est glorieux. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, dit: « Oh frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ou ceux de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Paul ici est clair. Je ne veux pas qu'on, il ne voulait pas que les chrétiens soient dans l'ignorance ou ceux de ceux qui dorment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comme les inconvertis. Il dit: « Parce que je ne veux pas que vous soyez attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Nous, on a une espérance, c'est la résurrection entre les morts. Verset 14. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment, Yeshua, Elohim les ramènera avec lui. Donc c'est clair. Il n'y a pas de commentaire à faire ici. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment, Yeshua, Elohim les ramènera avec lui. Verset 15. Quand nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Donc on apprend ici que l'enlèvement c'est magnifique. Les vivants n'auront pas précédé, n'iront pas avant ceux qui dorment, ceux qui sont morts. Verset 16. Parce que le Seigneur lui-même avec un cri de commandement. Ce cri de commandement, c'est le cri prophétique de Matthieu 25. Oh, voici l'époux, Allah, sa rencontre. C'est la voix du Seigneur. Parce que vous savez que les vierges étant dormies, c'est une image aussi de la résurrection. Donc, par ce cri de commandement, les vierges vont se réveiller et iront à la rencontre de l'époux. Donc, parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel. Et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Que les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur descend du ciel. Donc le Seigneur descend du ciel, il vient chercher son épouse. Donc seront inspirés par le Seigneur. Seront élevés par le Seigneur ceux qui auront marché, gardé sa parole. Donc on apprend que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc on dit les morts en Christ ou les morts en Mashiach. On n'a pas dit les morts avant Mashiach. On dit les morts en Mashiach. Et le premier mort en Mashiach, c'est bien sûr le brigand à la croix. Donc on dit que les morts en Christ ressuscitent premièrement. On peut remettre le passage s'il vous plaît. Donc les morts en Christ ressuscitent premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce qui me marque ici dans l'enlèvement, c'est que nous serons plus que des fusées, plus que des avions. On va décoller du sol avec un cri de commandement. Il va dire, c'est l'heure, on part.
Imaginez-vous ceux qui seront endormis, éveillés. Peu importe où tu seras, parce que tu auras gardé le Seigneur dans ton cœur. Parce que tu vivras, tu auras vécu dans la consécration. Tu écouteras ce cri de commandement dans ton esprit. La preuve, tu pourras tenter de prêcher l'évangile à un inconverti. Mais lui, en face de toi, il n'écoutera pas ce cri, parce que c'est un cri spirituel. Que tous les enfants du Seigneur écouteront dans l'esprit. Et ils vont monter dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est puissant. Sans avion, sans fusée, on montera au ciel. C'est pourquoi si tu n'as pas encore pris l'avion, ne t'embête pas. Tu es un avion en esprit. Tu partiras à l'enlèvement, tu vas monter. C'est puissant ça. La parole du Seigneur doit nous booster, doit nous encourager à tenir, à persévérer. C'est pourquoi si tu sentais que tu étais déjà fatigué, découragé, affaibli, reprends courage. Parce que bientôt, nous allons partir, rentrer à la maison. On peut remettre le passage, s'il vous plaît. Verset 17 d'abord. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours, toujours, je dis toujours, avec le Seigneur. Donc on apprend ici qu'après l'enlèvement sera toujours, toujours nous parle de l'éternité avec le Seigneur. Verset 18. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Oui, frère, consolons-nous. Paul ici nous dit, consolez-vous les uns les autres. Consolons-nous, encourageons-nous. On peut enlever le passage. Consolons-nous, encourageons-nous les uns les autres. Si tu vois que ton frère commence à baisser la garde, rappelle-lui cette espérance. C'est pourquoi le Seigneur permet que de plus en plus on parle de ces choses. Parce que bientôt nous partirons. Nous rentrerons à la maison. Nous rentrerons à la maison. Donc l'enlèvement est la première phase de la première résurrection. Donc un, les morts en Christ qui ressuscitent. Deux, les vivants qui sont transformés. Des corps qui sont changés. Cet événement aura lieu dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Seul le Seigneur connaît le jour et l'heure. Mais quand on parlera de veille, on verra que c'est pour très très bientôt. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi? Il veut qu'on se prépare davantage. Soyons comme cette fiancée. Que son futur mari est venu demander en mariage. Et qui ne sait pas quand il reviendra, mais qui reste à se préparer. La préparation consiste à s'éloigner du péché. La préparation consiste à marcher dans l'obéissance à sa parole. La préparation consiste à craindre le Seigneur, à prier, à méditer, à jeûner, à se mettre à part. Parce que la fin de toute chose est proche. Donc voilà un peu la résurrection entre les morts qui est notre espérance. Voilà c'est quoi l'enlèvement. Pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler, c'est ça l'enlèvement. C'est la rencontre de l'épouse, c'est l'élévation de l'épouse des chrétiens vers le ciel. Et on apprend, n'est-ce pas, que le Seigneur descend du ciel lui-même. Il est tellement galant. Parce qu'on ne connaît pas justement le chemin. Donc il vient sur les nuées, il vient nous prendre pour nous amener au ciel. Parce que lui seul connaît le chemin. C'est un mari galant, plein d'amour. C'est pourquoi, frère, même si c'est difficile, ne baissons pas les bras. On veut voir Yeshua. On veut baiser ses pieds. On veut baiser ses mains. On veut le prendre dans nos bras. C'est une espérance vivante. Ce jour est réel. C'est pour bientôt. Préparons-nous, lavons nos robes. Comme les 10 vierges. Conservons l'huile dans nos lampes. L'huile, l'image du Saint-Esprit. L'huile, l'image de la présence d'Élohim. Conservons cela. Lui aussi, l'image de la sainteté, de la consécration. Conservons cela, malgré les temps difficiles, malgré les temps d'endormissement, malgré les temps de sommeil spirituel qui frappe les nations. Chrétiens, battons-nous. Car ne l'oublions pas, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ne croyez pas que parce qu'on parle, que c'est facile pour nous. C'est difficile, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais on veut s'appuyer sur le Seigneur. On veut compter sur sa grâce. Donc bientôt, le grand départ. Bientôt la montée pour le ciel. Et après, lorsqu'on l'enlèvement a eu lieu, on verra le vendredi prochain, n'est-ce pas, les événements qui suivent. Donc voilà
ce que c'est que l'enlèvement. L'enlèvement fait la montée de l'Église. L'enlèvement, n'est-ce pas, fait la résurrection des morts en Christ et la transformation de ceux qui sont restés en des corps glorieux pour aller retrouver le Seigneur dans les airs. C'est ça, l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement aura lieu quand? À la lumière des trois horloges prophétiques qu'on a vues les vendredis passés, l'enlèvement de l'Église est dans très très peu de temps. Parce qu'on a vu les signes qui annoncent le retour du Seigneur. Ils sont quasiment accomplis. Sans risque de me tromper, je peux vous l'affirmer, le confirmer. Concernant les trois horloges prophétiques, nous avons atteint 99% d'accomplissement des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Il ne reste que très très peu de signes. Concernant les nations, on a quasiment tout atteint. Il ne reste que quelques éléments qu'on a vus, notamment l'avènement de physique de l'homme impie. Concernant l'Église, on a quasiment tout vécu. Et concernant Israël, il ne reste que quelques brins d'éléments. Donc c'est pourquoi, frères, sœurs, monsieur, madame, papa, maman, vous qui me regardez, efforçons-nous de conserver, de garder nos lampes allumées. Ne pensez pas que c'est un scénario, c'est réel. On veut voir Yeshua un jour. Battons-nous, gardons la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Combattons le bon combat, achevons la course, gardons la foi. Ne laissons pas le péché souiller nos vies. Ne laissons pas souiller par le mal, par les critiques, par les calomnies, par les jalousies, par la haine, par la méchanceté. Sortons de ces choses. Allons-y à la montagne de Yahweh. Allons-y vers le Seigneur. Car son jour arrive. Donc voilà, nous sommes sur le thème de la fin des temps. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on a pu aborder avec vous l'espérance des chrétiens, la résurrection des morts. On a parlé de cette espérance qui est l'enlèvement de l'Église, qui est la montée de tous ceux qui auront accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur, qui auront fait la paix avec lui et qui auront gardé leur lampe allumée. Donc, à vendredi prochain, par la grâce du Seigneur, pour pousser sur le thème de la fin des temps, nous parlerons certainement des noces, du tribunal de Christ, de la grande tribulation. On verra comment le Seigneur disposera. Bonne soirée chez vous et que Yeshua vous bénisse.